Mesdames, et Messieurs, bonjour et ravi encore une fois de plus de vous avoir nombreux, scotché sur vos téléphones, scotché sur vos ordinateurs pour me suivre. Je suis très content par la réaction que vous aviez manifestée à. À la dernière émission que nous avions faite, merci pour ceux qui sont se sont encore abonnés, merci pour tous ceux qui sont en train de nous soutenir vraiment dans ce combat ou bien dans ce travail que nous avions choisi de faire pour apporter notre pierre à la reconstruction de notre pays. Nos idées que nous émettons ici, ce sont des idées qui ne sont pas tout simplement carrées ou quoi que ce soit, mais c'est ça notre contribution, c'est ça là où nous pouvons nous dire que nous contribuons à la, à la, à la reconstruction de, 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 de notre pays. Ça se fait sous, seulement pour les idées. Nous nous disons que c'est ça qui est notre contribution. Les gens qui nous taxent en nous disant que nous nous sommes en train de perorer à l'extérieur et que nous devons revenir au pays, moi je pense qu'ils sont en train de se tromper. Vraiment, excusez-moi, personne ne nous a... Euh, ne nous paye pour cette, euh, ce que nous faisons. Nous ne mangeons l'argent de personne ici. Nous sommes en train d'apporter notre solution. Comme Congolais, et voir la, notre pays, comment elle est en train de traverser des situations que nous nous disons, il est impossible pour moi aujourd'hui de rentrer au pays et d'aller travailler ou bien de me retrouver. Je ne vois pas où je vais commencer. Parce qu'effectivement, je trouve que mon pays est. Entrer dans la jungle où il n'y a pas de règles, on ne respecte pas l'ordre, il n'y a rien qui marche chez nous. Et pour remédier à cela, nous nous disons, laissons-nous émettre nos idées. Peut-être que ces idées ici seront captées par quelqu'un, par nos, ceux qui sont au pouvoir, et pourront être mises en place. À ce moment-là, si notre pays reprend avec cette inquiétude et que nous pouvons nous retrouver pour rentrer au pays, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous y allons. Mais c'est ça la, la, le combat que nous nous sommes dit. Où est-ce que nous sommes nous, nous contribuons aussi à la reconstruction de notre pays par nos réflexions, par nos points de vue, parce, pour, pour parler. C'est ça justement notre contribution. Parce que nous avions essayé dans le temps avec un 10 000 dollars, nous sommes rentrés, mais ça n'a pas pu marcher parce que la situation économique était et par terre, et continuer à être par terre. Alors, en tout cas, merci beaucoup pour les observations. C'était justement un petit recadrage. Mais aujourd'hui, nous allons parler de quoi Nous allons toujours parler de la reconstruction de notre pays à partir de la base. Au lendemain où euh, notre pays est en train de, 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 de ruminer la défaite euh, au Qatar, et tout ça pour le mondial de Qatar. Et puis euh, tous ces actualités qui se déroulent, des scandales et tout ceci, nous allons quand même aussi nous y amener pour vous dire pour quel est notre point de vue sur la Constitution. Comment est-ce que nous devons euh, nous devons euh, refaire cette Constitution et, et les lacunes qui y sont. Nous en parlons aujourd'hui et nous parlerons aussi à euh, de ce qui se passe à l'Est sur l'armée et tout ça. Nous avons donc trois parties que nous pourrons développer dans les 30 minutes qui vont suivre. J'espère que nous allons passer un bon moment et que vous allez comprendre et que cette émission d'aujourd'hui va éveiller la conscience de quelqu'un. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur internet et puis nous revenons tout de suite après. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur internet. Nous commençons par election-net.com. RDC, destitution du ministre de l'économie, voici la réaction du gouvernement congolais. Et puis euh, RDC toujours le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde lance les préparatifs de l'accueil du pape François. On va sur actualité.cd. RDC Alfred Liolo 3a déjà. Et puis instabilité dans les provinces Daniel Ocello attendu ce vendredi à l'Assemblée nationale. On va sur Congo profond. Travigo en guerre contre le réchauffement climatique. Raywei Kaisseysi ka Magali offre 200 plantilles à Kasumbalesa. Arrestation de deux militaires rwandais en RDC. Le Félix Tshisekedi courbe les chines devant Kagame et se met à dos à la population. On va sur 7 sur 7. Euh, Réuni autour de Kabila, CGD le PPRD annonce son congrès euh, en main. Et puis, à euh, déchéance du ministre de l'économie, les formalités administratives d'usage sont en cours pour faciliter le dénouement de la procédure. Ça, c'est Patrick Mouyaya qui parle. On termine par radio au capi. Démission de Jean-Marc Kaboun, l'UDPS confirme son remplacement par un autre cadre de ce parti. Béni, les étudiants promettent d'accompagner l'autorité urbaine dans la recherche de la paix. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà mes chers amis, donc l'actualité est prédominée par ce succès que le Parlement est venu et, et, et se disent que c'est la première fois, c'est un succès, c'est bien, on a chassé le ministre. De l'économie et tout ça, ça c'est la première, tout ça donc c'est vraiment un exploit. On se vante pour ça. Le parlement, on dit bon, tout ça. Et de l'autre côté, la défaite aussi de notre léopard, de nos vaillants léopards qui ont échoué, ont été triés par quatre buts à un à, 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 au Maroc. Tout ça, le Congolais est en train de ruminer. Et puis euh, l'hélicoptère qui est tombé euh, de l'hélicoptère de la Monisco et tout ça, c'est qui se passe à l'est. L'embroglio qui se passe à l'est, on ne sait pas, on ne on, 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 on comprend pas, est-ce que c'est l'armée, est-ce que c'est le M23, Le M23, c'est qui, les groupes armés, c'est qui, il y a tout un embroglio là-bas. Vous allez vers euh, euh, dans la région toujours de, de ou là-bas où... Euh, où euh, nous avons des gens qui passent dans le média en disant que non, c'est l'armée qui est le qui arme les codécos et tout ça. Donc il y a vraiment notre pays traverse une un, un moment où vous vous posez la question en voyant l'actualité à se demander où est-ce que nous allons, est-ce que nous allons vraiment nous en sortir. Bon néanmoins c'est ça qui se passe. Moi nous ici à Contact Pro Live nous continuons à penser que nous devons préparer le prochain pays. Nous devons construire le pays maintenant. Et le pays ne se construit pas en, une, en, un, en, en, en un clin d'œil. C'est pas une baguette magique qu'on va venir avec un homme ou bien je sais pas un super président qui fera tout, qui fera le chambardement et tout ça. Va. Non, nous nous pensons que nous devons nous arrêter aujourd'hui pour nous dire là où nous sommes en train d'aller. Ça ne montre pas que nous, nous y arriverons. Nous devons nous arrêter pour réfléchir un peu et pour planifier. Pourquoi nous disons aujourd'hui que nous devons changer la Constitution La Constitution, nous ça, ça doit être un, la loi fondamentale qui doit être impersonnelle, qui doit être applicable à tout le monde et que tout le monde doit se reconnaître dans ce texte-là. Nous devons aujourd'hui pas nous, par, nous, nous précipiter à construire les ponts, à construire les maisons, qui serviront à quoi si nous ne sommes pas ensemble. Nous les Congolais, nous, nous avons cette, 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 euh, cette, euh, cette ce mentalité-là de penser que lorsque nous parlons et les choses vont se faire d'elles-mêmes, lorsque nous déclarons l'état des sièges, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Et le chef aujourd'hui, le président de la République s'en rend compte. Et nous sommes en train de nous poser la question si le président de la République est vraiment conscient qu'il est en train d'échouer son mandat parce qu'il ne veut pas s'arrêter pour que nous puissions planifier et puis nous puissions tracer le chemin par lequel qui nous amèneront là où nous voulons aller. Vous aviez dit que l'état de droit, c'est une aspiration. Mais cette aspiration, nous devons la préparer. Nous devons voir quel est le chemin qui va nous conduire à cet état de droit. Quel est le chemin par lequel nous allons prendre pour que nous puissions avoir la paix à l'Est La proclamation de l'état de siège n'est pas un, un truc qu'on qu peut dire aujourd'hui. On se réveille, on se dit bon, nous allons mettre l'état de siège. Nous ne nous, 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 nous sommes pas préparés. Nous n'avons pas analysé la situation. C'est là où nous nous sommes dit, dans ce mandat du président de la République, il doit absolument s'arrêter et se dire, ah, ah, je suis en train d'être menti dans tous les bouchons. Tout le monde qui vient ici est en train de me mentir. Les gens sont en train de s'enrichir au dépens de la République démocratique du Congo. La situation ne s'améliore pas. La, la situation se détériore du jour au lendemain. Avec les enjeux qui se passent au niveau international, allons-nous nous en sortir? Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que les élections que nous voulons organiser, nous, les a, nous allons les organiser comment? Ceux qui me suivent sur Twitter, ceux qui me suivent sur Instagram, même sur, 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 sur Facebook, ils m'ont vu hier poster euh, le, le, ma photo avec les agents de recensement qui sont passés hier chez moi pour recenser parce qu'ils étaient là où j'habitais dans le quartier. C'était notre tour, nous avons été recensés. Et le recensement ici en Afrique du Sud, ça se fait tous les cinq ans. On nous a recensé et je postais la réaction que je vis aux gens qui me disaient, non, c'est grâce aux machines. J'ai répondu, j'ai dit, non. L'Afrique du Sud a mis un plan en se disant, ce que je fais ici, lorsque nous allons faire le statistique, nous saurons combien, combien de chômeurs nous avons. Combien d'hommes, de quel âge nous avons Quelles sont nos possibilités humaines Et comment le faire C'est grâce aux statistiques qu'ils sont en train de prendre. Ils sauront, nous avons 30%, 30 ou 28% des chômeurs dans notre pays. Et ils peuvent calculer. Chez nous, ça se passe où Si ce n'est que des projets qui vont, on va essayer un peu encore d'aller chez le président de la République. Non, nous allons... Euh, faire un truc de l'OIF, ça sera l'organisation, je ne sais pas, tout ça, on va, on va recenser les gens, on va identifier, nous allons organiser, et, et le président va dire, ah ok, ça sera un bureau qui sera attaché à la présidence de la République, ça ne devient plus le, le travail de l'État. Pourtant, c'est un truc que l'État pourrait mettre en place en disant, bon, ministère intérieur, voici le travail, vous de, nous devons avoir le... Ça doit se préparer. Dans cette mission d'aujourd'hui, nous voulons faire voir aux gens que les choses n'arrivent pas par hasard. La réussite n'arrive pas par hasard. Ce n'est pas parce que je m'appelle dit que la réussite, quand je parlerai, les choses iront comme je suis Dieu. Nous prenons nos chefs comme de dieux, ce sont la République leur appartient. Et c'est là où nous sommes en train de commettre des bêtises, nous les Congolais. Quand vous dites aux, aux, aux autres, nous qui sommes ici, nous sommes dans des, des colloques, et nous, 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 nous disons à nos, à nos compatriotes zimbabwéens, mozambicains, ou tout ça, ou bien botchouanais, que nous n'avons nous pas de carte d'identité. Mais ils se posent la question mais comment est-ce que votre pays. Se, nous n'avons pas de carte d'identité. Donc nous ne pouvons pas faire un recensement aujourd'hui parce que nous n'avons pas de carte d'identité. On va vous recenser sur quoi C'est ainsi que nous nous sommes dit, le président de la République devrait se retirer. Je pense qu'il devrait se retirer et aller un peu à vacances, en dehors de tous ces embrouillements, et réfléchir et regarder le, la République démocratique du Congo en se disant, par où vraiment est-ce que je peux commencer pour éviter à ce qui y ait la corruption, éviter pour que les Congolais puissent se reconnaître et pour que, pour que les Congolais puissent travailler ensemble. Quelle est la solution pour que nous tous, nous puissions avoir une quiétude Et qu'est-ce que nous pouvons mettre dans la tête des Congolais en leur disant, voici là où nous sommes, et voici là où nous voulons aller, et voici comment nous allons nous y prendre pour arriver là où nous sommes en train de partir nous pouvons faire rêver les gens en l'air disant que nous allons vous construire les immeubles, nous allons faire ceci, nous allons vous construire les cités. Les cités qui, qui habiteront dans ces cités-là? Quel est le mécanisme que vous allez mettre en place pour que dans ces cités-là, les gens vont se dire, ok, pour que moi aussi j'ai la procédure d'aller avoir une maison là-bas, comment est-ce que je fais Tout ça n'est pas préparé, mais on passe, on se dit, nous allons construire Fachi City et tout ça. Nous allons construire les routes. Qui rouleront sur ces routes-là? Quelqu'un me disait non, c'est grâce à ces appareils-là que l'Afrique du Sud est en. Je lui ai dit non, c'est l'intelligence, les gens se sont mis d'accord. Nous allons ou Qu'est-ce qui, qu qui viendra? Qu'est-ce que nous ferons de ces résultats que, que, que nous, nous, nous aurons? L'analyse de la situation doit être à la base de toutes les choses. Lorsque nous voulons construire une maison, nous faisons un plan. Mais quel est le plan de, du président Félix Tshisekedi aujourd'hui Quel est le plan qu'il a pour, pour 2023 Quel est le plan pour son deuxième mandat Qu'est-ce qu'il fera C'est aujourd'hui qu'il doit préparer le deuxième mandat. C'est aujourd'hui qu'il qu va dire que non. Dans mon deuxième mandat, écoutez, ces ce derniers temps, le deux ans qui, qui me restent, laissez-moi en train de préparer mon deuxième mandat que je voudrais que vous puissiez me donner. Je n'ai rien fait dans ce, dans ce premier mandat parce que je n'avais pas d'expérience. Maintenant que je sais comment est-ce que je vais me comporter, voici le plan que je voudrais mettre ensemble. Qu'est-ce que je veux faire dans, la deuxième, dans mon deuxième mandat en fonction de ce que j'ai trouvé et le faille là où il est, qu'est-ce que je dois faire pour que dans, ce qu dans mon deuxième mandat, ceci ne se répète Et qu'est-ce que je vais faire Quel est le plan que je dois. C'est maintenant qu'il faut le préparer. Ce n'est pas lorsque tu seras élu que tu vas commencer à dire non, le gouvernement sera. Non C'est comme ça que nous nous sommes dit. Si tous. Si, le système dans lequel nous sommes ne nous permet pas d'avancer. Il est grand temps de réfléchir sur le fondamental de notre pays. Notre pays n'a pas de carte d'identité. Allons-nous encore allons-nous attendre en 2023 pour pour commencer à penser comment est-ce que nous allons avoir les, les, les cartes d'identité Le problème est posé maintenant. Quel servira à avoir une carte d'identité quel servira à avoir le pouvoir par la base comment ça se fait ça se fera nous devons réfléchir en avance le président ne réfléchit pas en avance le président pense que non lorsque il est là et c'est tout, tout doit se faire il va nommer un gouvernement il fera ceci et non ce n'est pas ça nous devons préparer gouverner se prévoir comme on dit certaines personnes disent nous devons prévoir et nous devons savoir là où nous allons et nous devons élucider les problèmes que nous pouvons rencontrer sur le chemin de là où nous voulons aller. Alors, le président de la République aujourd'hui, pourquoi nous le supportons Pourquoi nous disons que le président de la République est la meilleure personne aujourd'hui d'apporter le changement Ce n'est pas à ce qu'il va avoir des ailes ou bien il va être un surhomme, non. Le président de la République aujourd'hui, vu de cette constitution qui est, euh, qui est euh, en vigueur aujourd'hui, il peut demander l'amendement ou bien le changement de la constitution au vu de la situation de la République, de la gestion de la République démocratique du Congo. Il en a le pouvoir.

a le pouvoir et tout le monde les lui donne c'est comme ça que nous sommes en train de dire mes chers amis partagez cette émission si par hasard il arrivait il puisse nous regarder et qu'il puisse vraiment s'imprégner que les gens qui sont venus avec lui parler des projets de 145 territoires l'ont tiré d'ici et les lui ont mal présenté et qu'il peut suivre vraiment exactement ce disant que non Retournons le pouvoir à la base pour que la base puisse être le vrai patron de cette République démocratique du Congo. Nous disons que non, nous qui sommes au gouvernement, nous sommes en train de travailler pour le peuple. C'est faux. Le peuple est en train de souffrir. Le peuple ne se retrouve pas. Le peuple est en train de rêver, de se dire qui va vraiment nous faire sortir dans ce que nous sommes aujourd'hui. Le peuple se pose toujours cette question-là. Les choses qui se passent au Parlement, on va destituer ceci. C'est tellement. Moi, je ne, je, ne, je, je ne suis pas là. Beaucoup de gens m'ont posé la question, ont dit non, voici le Parlement, il a le pouvoir, voilà, on a fait tomber un ministre. Non, messieurs, ce n'est pas ça que nous cherchons. Ce n'est pas le changement que nous cherchons. Nous cherchons à rétrocéder le pouvoir au peuple. Ce parlement-là, -là, ou le parlement d'aujourd'hui, c'est un faux parlement. Ce n'est pas l'expression de la population. Beaucoup de gens qui sont là sont des corrompus. Ils ont été corrompus par les jeeps et tout ça. Ils font semblant. Tout ce qu'ils font là-bas, ça n'aboutira pas au changement de ce que nous vivons aujourd'hui. Ça va plutôt continuer à nous enfoncer. Regardez, mes chers amis. De tout ce qui se passe aujourd'hui, regardez comment est-ce qu'il y a une certaine lenteur pour que le président de la République puisse prendre une décision pour destituer ou bien révoquer un ministre. Malgré tous les scandales qui se passent, mais il n'y a absolument rien qui se fait. Mais nous commençons à, se, à nous poser la question. Est-ce vraiment est le président de la République ou bien il y a quelqu'un d'autre qui dirige ce pays Est-ce que c'est lui Tantôt il est malade, tantôt il n'est pas malade, il y a une certaine incertitude. Mais néanmoins, tout ça, la chose que nous recherchons au président de la République, c'est de proclamer la fin de cette constitution ici. Et que le temps qui lui reste, préparons-nous, réfléchissons-nous, le, 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 le Congolais, mettons-nous d'accord sur ce qui va être à partir de, à la fin de 2024, de 2023. Nous voulons un nouveau Congo. Nous voulons un nouveau Congo. Un nouveau Congo, ça se reconstruit avec une nouvelle constitution. Nous pouvons mettre en place les mécanismes pour que les médiocres ne reviennent plus. Et pour remettre ça, nous avions dit que nous n'avons qu'une seule voie. La seule voie où nous pouvons y passer, c'est la voie de l'appel aux états de lieux des territoires, où les, tout le monde, tous ces beaux politiciens, tous ces médiocres, il faut les envoyer dans leur territoire d'origine pour qu'ils puissent aller trouver un consensus sur un texte, un texte qui sera, qui nous régira. Si, ce, si dans votre coin, vous avez trouvé que non, vous allez promouvoir les gens qui ont l'argent, ça ne sera pas comme dans l'autre province. Et nous allons compiler ces textes-là au niveau des provinces et, au de niveau des provinces, nous allons compiler ce texte au niveau national pour en dégager un texte dont la majorité de tous les territoires y apportera son, sa touche et que tout le monde pourra se retrouver en se disant :« Oui, c'est ça que nous voulons. Nous ne voulons pas ce qui est quelqu'un qui viendra nous dire ce que nous devons faire. Nous avons besoin à ce que nous nous définissions la politique de nos économies, nous devons être à mesure de dire qui sera notre administrateur de territoire, quel est le travail de notre administrateur de territoire. Nous ne voulons plus être mêlés dans la farine comme ça se fait aujourd'hui. Cette histoire de l'unitarisme à outrance que vit notre pays nous a fait reculer depuis de 60 ans. Pendant que les autres autres sont dans le monde digital, nous, nous sommes en train de voir que non, faire un recensement, c'est comme si ça, ça, prend, ça va nous prendre des millions. Non! C est, c est, c est, il faut tout simplement réfléchir. Il faudrait tout simplement mettre un plan en se disant, voici ce que le peuple à la base va faire. Voici comment nous allons récolter les données. Voici où nous allons stocker les données. Et c'est de là qu'on peut réfléchir maintenant. À partir de toutes ces données, quel est le matériel que nous allons utiliser pour atteindre n'importe qui, n'importe où en République démocratique du Congo Vous avez vu comment est-ce que nous, nous avions patrouillé même les élections en 2018, en 2016. On s'est compliqué avec des grosses des histoires. On va acheter les histoires qui ne, qui ne, qui, que nous ne savons pas. Donc, nous nous sommes perdus. Tout ça à cause de la corruption. Tout ça à cause de, de, de vouloir euh, euh, nous enrichir individuellement. Les détournements, comment est-ce que nous allons faire ça C'est comme ça que nous nous sommes dit si les consensus ne sont pas trouvés à la base, on ira nulle part. Il est grand temps à ce que nous puissions réfléchir, à ce que nous puissions avoir le consensus au niveau de la base. C'est-à-dire que la base doit être à mesure de réfléchir et de dégager lui-même en se disant, nous voulons un, un président de la République pour 4 ans, un président de la République pour 5 ans. Pourquoi Parce que le tous les grands travaux, ça sera déjà discuté au niveau de la base. Pourquoi va nous allons donner 7 ans, 8 ans mais si nous n'avons pas des institutions stables, c'est comme ça que nous pensons qu'il doit y avoir un président fort. Non. C'est ça le, 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 le raisonnement des Congolais en se disant non. Il faut être et avoir 7 ans. Pourquoi Parce que le 7 ans, la personne que nous allons mettre là, il, ce n'est pas le président de la République qui doit faire le travail. C'est le peuple congolais qui doit rentrer au travail. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit si le président de la République aujourd'hui peut comprendre cette philosophie en disant ce n'est pas moi, c'est nous tous qui doivent être engagés sur le plan de travailler. Il faudrait que tous les Congolais se mettent au travail pour changer ce pays. Ce n'est pas seulement l'apanage du président de la République. Ça doit être l'apanage de tout le monde. Tout le monde doit donner son effort. Tout le monde doit donner quelque chose. Et comment mettre ces structures afin que tout le monde-là travaille ensemble C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Et nous nous sommes dit nous devons commencer par le commencement. Par l'identification. L'identification, ce n'est pas question de quelqu'un qui viendra au, à la présidence de la République en disant Non, pas, président, voici le plan que moi je pense que si je crée une société ici et cette société, nous allons faire le recensement nous allons aller dans toutes les provinces. C'est comme cela, vous allez. On, a, on est en train de vendre à, aux Congolais des rêves. Et des rêves, pas des cauchemars, par exemple, en, le, en leur disant Non. Pour faire l'identification des Congolais, ça sera difficile. Il y a des endroits où on ne peut pas accéder. Il y a de... Mais comment Y a-t-il des endroits où on ne peut pas accéder C'est ainsi que ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, où le, 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 le soldat, l'armée est en train de se dire il y a, il y a des, des, des ADF qui courent, qui sont dans la forêt et que nous, nous ne pouvons pas aller là-bas. La force, l'armée. Ils disent que non, ils ne peuvent pas suivre les ADF dans la forêt là où ils se cachent. C'est que vous ne contrôlez pas l'intégrité du territoire. Mes chers amis, le, le mal est tellement très profond que nous, nous devons nous, nous reconnaître que le mal est à nous. Nous ne sommes pas capables de diriger ce pays. Et nous demandons maintenant à ce que nous réveillons notre conscience en nous disant, il est grand temps à ce que nous ne voyons pas d'abord nos poches ou bien nos ventres, que nous puissions voir l'intérêt total de notre République. Et cela ne peut pas demander à ce que, que ce soit mille hommes ou quoi que ce soit. C'est ce que nous disons ici. Notre média est un média d'élite. Si à contact pro nous nous devons déjà comprendre ça et que nous partageons vraiment ces émissions à ce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, le président de la République puisse nous écouter en disant que non, je crois que pour terminer les, les, la corruption ou quoi que ce soit, nous devons passer à un nouveau congo. Ça ne sert à rien. Parce que dans tous les domaines, tout, rien ne marche. Que ce soit dans les droits, que ce soit dans la justice, l'armée, tout ça. Nous devons réorganiser le pays au niveau de la base. Et tout le monde doit s'y mettre. C'est comme ça que nous sommes dit, la voie la plus facile à le faire, c'est la convocation des états de lieux et des de territoires où les, 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 les sénateurs d'aujourd'hui, les députés d'aujourd'hui, les notables, les, les agents de euh, la société civile, de tous les territoires, puissent se mettre ensemble en se disant, préparons pour 2023 un, nou, un nouveau Congo. Comment nous allons élire notre président de la République Et c'est là où nous nous disons... Nous avions proclamé le, 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 le projet des 145 territoires. C'était justement pour ça. Préparer un, une nouvelle constitution, préparer un nouveau texte afin que en 2023, lorsque nous allons pour les, les élections, nous savons comment est-ce que nous allons à, aller à ces élections là. Avec des cartes d'identité, avec les gens bien identifiés, les gens bien enrôlés, nous avons maintenant, nous savons maintenant qu -ce, que feront les administrateurs des territoires. Les responsabilités de tout ça, chacun de nous sera déjà connues. Et que là, nous pouvons travailler, nous nous disons pour ces cinq cas-là, nous allons voir comment est-ce que ça va aller. Et si ça marche, nous allons toujours commencer à renforcer par. D'autres lois au niveau de la base. Si ceci n'a pas marché, voici ce que nous pouvons faire dans d'autres magistrats. Et nous nous donnons du temps. Ça ne viendra pas avec une baguette magique, mes chers amis. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. On n'a pas eu le temps de parler pour, sur l'armée. Mais il y a des choses que nous allons faire dans la prochaine mission. Sur, nous allons parler de l'armée. Parce que l'armée, c'est un grand Bande Mawa. C'est un grand bluff. On est en train de nous mettre dans, la, dans le pétrin inutilement. Et c'est ça qui tue notre pays. À l'est de la République, la paix ne viendra pas si on ne corrige pas ce qui se passe là. Et c'est ce qui est en train de se passer là-bas. Merci beaucoup à un monsieur qui est à Norvège. C'est à Norvège. Hein. À Norvège dans, euh, il nous a. À, Honoré vraiment, et il nous suit très souvent, je, il m'a demandé de ne pas citer son nom, mais il se connaît là où il est. Vraiment merci pour euh, euh, ce que vous êtes, êtes en train de faire pour euh, cette, cette tranche de réflexion sur la République démocratique du Congo. Nous remercions aussi euh, notre papa, papa Luboya, euh, qui est à Kinshasa présentement. Merci pour vraiment votre apport pour cette émission. Vous êtes en train de nous enseigner beaucoup de choses. Merci aussi pour ceux qui sont venus encore une fois de plus dans la famille des abonnés. Et vous qui êtes là et qui ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous et surtout partagez l'émission pour que nous osions croire qu'elle tombera dans les mains ou bien dans les oreilles des dirigeants, de ceux qui ont le pouvoir de diriger ce pays, qui sont au pouvoir et qui peuvent décider de ce changement. Au revoir, on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien.